Be without fear in the face of your enemies. Safeguard the helpless, even if it leads to your death. That is your oath. Rise a knight! Rise a knight! What becomes of us? The world will decide. The world always decides. A new world. A better world than has ever been seen. There, you are not what you were born, but what you have it in yourself to be. A kingdom of conscience. Peace instead of war. Love instead of hate. That is what lies at the end of Crusade. To come. Bonsoir Guillaume, bienvenue au sein de notre pastoral des étudiants. Merci. Peut-être voulez-vous vous présenter en quelques mots rapidement ? Volontiers. Alors, je suis marié, père de 4 enfants. Si je devais me définir, je me définirais d'abord comme catholique, notamment catholique social, catholique thomiste aussi, catholique social au sens où on l'entendait au XIXe siècle. Je suis très, très proche de la Tour du Pin, des gens comme ça, Henri V aussi, Léon XIII. Au plan universitaire, ma spécialité, c'est la question des relations Église-État. Et donc j'ai fait une thèse de sciences politiques sur la pensée politique néo-thomiste de Jacques Maritain en particulier. Et du point de vue professionnel, je suis actuellement à la fois assistant parlementaire au Sénat et éditeur de presse. Voilà, qui dirige un certain nombre de petits médias et par ailleurs, j'édite aussi des bouquins. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer par une première partie sur les combats menés par vous. D'accord. Pouvez-vous nous dire quels combats méritent, selon vous, d'être menés aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a deux grands types de combats qui se rejoignent d'ailleurs, mais deux grands types de combats politiques importants. Le premier, c'est le combat pour la dignité de la personne humaine qui est fort attaqué aujourd'hui. Alors, en tout domaine, hein, ça va de la loi de bioéthique à typiquement la loi sur le séparatisme pose d'énormes problèmes aussi relatifs à la dignité de la personne humaine. Et puis, deuxième grand axe de combat politique important de mon point de vue, c'est le combat pour les libertés. Je dis bien les libertés, pas la liberté, parce que l'expérience prouve, après à peu près 250 ans de combat pour la liberté, on constate que plus on parle de la liberté, moins on a de liberté au pluriel. Et donc, je pense qu'il est temps que nous commencions à récupérer progressivement nos libertés. Très bien, merci beaucoup. Et comment peut-on réussir à se positionner lorsque l'on sort de la bien-pensance de la société ? Ouh, vaste question. La première chose, c'est que ça a toujours été compliqué. Se positionner comme catholique, ça a toujours été poser un regard critique sur la société. Donc, on ne peut pas s'étonner que la société pose aussi un regard critique sur nous. Et d'ailleurs, si le Christ lui-même a été...
un peu à contre-courant, et ça me paraît assez logique que ses disciples aient le même genre de problème que lui. Alors évidemment, on finira pas tous en croix, heureusement, mais donc c'est clair que on a nécessairement un regard critique, hein, y compris de critique positive, mais aussi de, donc le simple fait de juger d'une certaine façon, d'avoir un critère moral d'appréciation de ce qui se passe, fait qu'on est en porte-à-faux d'une certaine façon avec la société. Après, il faut aussi pas trop surestimer. Moi, j'ai eu deux ou trois problèmes avec la bien-pensance, comme vous dites. J'ai eu quelques campagnes de presse un peu musclées contre moi, ou quelques procès. Enfin, j'en ai encore d'ailleurs quelques-uns sous le coude. Mais il faut aussi, d'un côté, c'est pas du tout agréable, il faut bien le dire. Mais de l'autre côté. C'est pas non plus la persécution comme des millions de chrétiens la subissent ailleurs, et donc il faut pas non plus mettre tout sur le même niveau. Ça peut être dur, parfois pénible. Enfin, on est quand même très très loin de la persécution violente, même si ça pourrait venir. Hein, toutes les persécutions violentes ont commencé par des persécutions administratives, des insultes dans les médias, etc. Et aujourd'hui, en France, on a quand même un vrai niveau d'animosité antichrétienne dans les médias, dans la presse, dans le monde politique, dans le monde médiatique, qui commence à devenir préoccupante quand même. Voilà. Mais il faut aussi regarder ça tranquillement, c'est pas non plus attaqué. Comme disait le peu regretté président Mao Tse-Tung, être attaqué par l'ennemi n'est pas une mauvaise chose. Merci pour cette belle citation. Selon vous, quelles sont les principales parts du monde médiatique aujourd'hui en France ? Il y en a beaucoup. Pour moi, la première, la plus frappante, c'est le conformisme. Il est extrêmement frappant de voir que presque tous les médias, en tout cas les médias, ce qu'on appelle les médias dominants, disent la même chose en même temps. Il est frappant, par exemple, qu'il soit possible de passer de directeur de la rédaction du Nouvel Obs à directeur de la rédaction du Figaro sans transition, ce qui est, il y a simplement 50 ans, c'était impensable, mais aujourd'hui, c'est tout à fait. Aujourd'hui, ça s'est produit. Donc, la première chose, c'est le conformisme. La deuxième chose que je trouve époustouflante, personnellement, surtout dans le monde politique, dans le journalisme politique, c'est l'inculture. On pourrait penser que les journalistes sont des gens de culture générale. Et en fait, moi, je suis très impressionné du fait que beaucoup de journalistes politiques ont une culture politique extraordinairement faible. Je pense à des exemples précis. Moi, j'ai longtemps travaillé avec Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Et je me souviens, par exemple, d'un dîner avec quelques éditorialistes un peu importants de Paris. Et dans le courant de la conversation, la discussion était tombée sur la laïcité, justement, et Gaudin commence à dire que la loi 1905, il faut quand même arrêter de l'encenser, parce que c'est aussi une loi de persécution, et nous, cathos, on sait bien ça, et puis il me prend un témoin, il dit, hein, Guillaume, bon, c'est ça, donc je renchéris, et autour de la table, donc on était nous deux, plus 8 journalistes, je crois, aucun des autres n'avait jamais entendu parler du fait qu'autour de la loi 1905, tout s'était pas passé merveilleusement bien. C'était un sujet qui leur était complètement passé. Hein. Et donc, on a passé après ça une heure à leur raconter ce qui s'était passé autour de la loi 1905. Et manifestement, aucun d'entre eux n'en avait jamais entendu parler, ce qui est pourtant pas extraordinairement. Ça demande pas d'être un universitaire particulièrement diplômé pour en parler, quoi. Donc moi, je suis très très frappé du conformisme, de l'inculture. Et puis le dernier point qui me paraît pas très rassurant non plus, c'est le relativisme. Alors je ne l'entends pas uniquement. Enfin, évidemment, il y a une part de relativisme moral, mais c'est pas d'abord à ça que je pensais. C'était d'abord au relativisme culturel, c'est-à-dire que il est devenu maintenant tellement difficile de dire qu'on est fier d'être européen, fier d'être français, qu'on a des belles racines, une belle culture, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est quasiment inaudible. Et donc on essaye de vous expliquer que l'art de je sais pas quoi, d'une espèce de tribu du fin fond de l'Afrique est aussi importante que la Sainte-Chapelle. Et vous pouvez, enfin, moi je trouve ça extraordinairement préoccupant.
Parce que si on n'a pas de critères du beau, on n'a pas non plus de critères du vrai, on n'a pas non plus de critères du bon. Et donc, en fait, on a un vrai problème pour discuter avec les gens et chercher un endroit où on puisse s'entendre, où la raison de l'adversaire et notre raison peuvent se rencontrer, parce qu'on cherche ensemble la vérité. Et je n'ai pas du tout l'impression que les médias contemporains servent à ça. Et donc, ce n'est pas très rassurant. En effet. Et du coup, quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le monde journalistique pour défendre ses convictions? La première chose, c'est de bien se former. Bien se former, y compris en culture générale. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne voit pas l'intérêt immédiat, mais il faut... Enfin, je pense que c'est vraiment un cadre général. Le journalisme, enfin, le travail médiatique, c'est essentiellement... être capable d'avoir des critères pour questionner les événements. Et si on n'a pas un peu un fond de culture générale ou un fond de conviction un peu solidement enraciné, en fait, on ne peut pas questionner les événements. Et donc, la première chose, à mon avis, c'est bien se former. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut, et ça, c'est, pour le coup, c'est très difficile dans le monde médiatique actuel, mais garder du temps pour lire. Et quand je dis lire, c'est pas lire des revues de presse, hein, c'est lire des vrais livres. C'est fondamental c'est fondamental pour tout le monde, mais spécialement pour des journalistes ou des hommes politiques, de se garder une heure pour prendre de la distance. Aux cathos qui m'écouteront, je suggère de garder aussi du temps pour prier, ou au moins pour méditer. Parce que et dans le monde médiatique et dans le monde politique, vous avez une espèce de brouhaha permanent qui vous étourdit, qui vous fait zapper en permanence d'une question à l'autre, et vous n'êtes plus capable en fait de regarder sereinement un problème et de le traiter, comme nos prédécesseurs le faisaient, c'est-à-dire en prenant le temps, en prenant des conseils, en allant regarder ce que d'autres ont fait dans d'autres cas, et à partir d'un moment, on dit voilà comment je vois la chose. Et voilà ce que j'ai à vous proposer. Mais pour ça, il faut quand même prendre un peu de distance, un peu prendre du temps. Et dernière chose qui, à mon avis, est fondamentale, c'est garder sa liberté. Et ça veut dire aussi être capable de dire s'il y a des problèmes, j'ai exercé ma liberté, je me fais virer, c'est la vie. C'est aussi des choses qui peuvent arriver. On n'est pas obligé de chercher les enquiquinements pour le plaisir, mais il faut aussi savoir que certaines de nos prises de position nous conduiront forcément à l'affrontement. Et voilà. Sachant qu'il faut aussi avoir l'autre face de la médaille du relativisme, c'est aussi que quand vous êtes capable d'expliquer votre point de vue, beaucoup de gens disent « Ah oui, c'est pas comme ça que je voyais les choses, mais finalement, c'est pas idiot ce que tu dis ». Et en tout cas, moi, jusqu'à ce jour, après les choses peuvent changer évidemment, mais jusqu'à ce jour, à chaque fois que j'ai eu un peu plus de 2 minutes pour m'expliquer, je dirais pas que j'ai convaincu en fait, il voit que c'est pas simplement le sectarisme qui vous fait parler. Il y a des arguments rationnels, il y a des exemples précis. Vous avez travaillé, vous connaissez un peu le sujet et vous dites. Pour ces raisons-là, voilà ce que je pense. En fait, les gens respectent quand même beaucoup ce genre de positionnement. Donc, à mon avis, il faut être vraiment libre et donc savoir que ça peut avoir des conséquences, y compris sur sa carrière. Mais la providence est bonne. Si on se fait virer, on sera rattrapé par quelqu'un d'autre. Merci pour ces bons conseils qui en aideront sûrement plus d'un.